Depuis le début du set, Aurillon Sol est l'un des pires champions du jeu par rapport à son prix. Il coûte très cher et il apporte pas grand chose à votre équipe. Mais ça, c'était jusqu'au patch de la semaine dernière. Maintenant, Aurillon Sol est un des meilleurs champions du jeu. En fait, c'est celui qui a le potentiel de carry le plus puissant en late game. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à ce late game et comment utiliser à bon escient la puissance d'Aurillon Sol. Alors, je tourne cette vidéo, il y a eu un B-patch hier aussi. Et peut-être que vous pensez qu'Aurillon Sol est mort à cause de ça, parce qu'il a été nerf, mais il reste toujours super fort. En fait, Aurillon Sol 1 vous permettra de stabiliser assez pour gratter un top 4, Aurillon Sol 2 vous permettra d'aller chercher un top 1. Là, je vais vous montrer une des compos les plus classiques pour jouer Aurillon Sol. Maintenant, vous pouvez le jouer avec à peu près n'importe quoi, tant que vous avez de la frontline et des supports. En frontline, on va avoir Sylas et Ornn, qui sont deux bruiseurs qui sont très tanky. Ornn a beaucoup d'HP de base et Sylas a un gros shield s'il a mage. Pour ça, on va du coup lui donner mage avec Nami et avec Zoé. Zoé qui est super forte dès qu'elle a mage actif et Nami qui va porter Mystique comme on le voit ici avec la Lulu. Lulu qui est importante parce qu'elle va donner Evoker à Aurillon Sol, ce qui va nous permettre de ne pas lui mettre d'objet de mana. Enfin, au niveau 8, on a un dernier slot. Du coup, on peut rentrer Bard ou n'importe quel autre légendaire fort comme par exemple Soraka ou Yasuo. Mais Bard, c'est très fort parce que ça apporte Mystique et ça donne des chances de toucher d'autres Aurillon Sol. En dernier, je veux rappeler qu'on joue mage aussi ici, ce qui est très fort avec Evoker parce qu'à chaque fois qu'une unité va cast, ça va donner de la mana aux évoqueurs et les mages cassent deux fois dès qu'ils cassent, du coup ça double la mana générée pour le Aurillon Sol. Si vous arrivez à passer niveau 9, vous pouvez à ce moment là rentrer deux évoqueurs à la place du Bard, donc Anivia et Sona, pour avoir 4 évoqueurs et avoir encore plus de génération de mana sur le Aurillon Sol tout en ayant plus de dégâts. Je vais vous montrer quelques augmentes qui sont fortes avec Aurillon Sol. En premier, on va avoir Stand United qui est pas mal pour donner beaucoup de dégâts au Aurillon Sol. On a aussi les augmentes de dragon, donc Dragon Horde, Dragon Alliance. Ces deux augmentes là vous permettront de jouer avec Assol et en frontline vous pourrez jouer un Siphon ou un Idas. Je vais pas rentrer trop dans les spécifiques de comment jouer ces augmentes là, mais ces augmentes là, gardez-les en tête, sont très fortes avec Aurillon Sol. Enfin, et là c'est très important, toutes les augmentes qui vous apportent vite un niveau 8 voire un niveau 9 seront très fortes avec Aurillon Sol. Enfin, pour les dégâts, vous avez Ascension qui est très fort avec Aurillon Sol parce que dès qu'il fait son ult augmenté qui fait tout le board, et ben avec Ascension ça va doubler les dégâts plus ou moins de l'ult. Pour jouer cette compo, on va visiter ce qu'on appelle un fast state, c'est-à-dire qu'on veut passer niveau 8 le plus rapidement possible en économisant beaucoup, tout en essayant de limiter la perte d'HP. Pour ça, on va pas level up en stage 2 à moins d'avoir des unités upgrade directement. Si on a des unités niveau 2, on sera peut-être assez fort, on aura envie de tenter une win streak, donc là on peut se permettre de passer les niveaux. En early game, on va essayer de faire le plus de palais de gold possible, à moins justement d'être en win streak. Là, il faudra peut-être utiliser plus des gold pour rester en streak. La dernière fois dans ma vidéo Varus, j'ai dit que pour à peu près le même setup, c'est-à-dire économiser beaucoup en early game, il fallait avoir 40-50 gold au Krugs. On m'a demandé comment est-ce que c'était possible. Pour ça, ça va être assez important d'essayer de faire 10 gold en 2-3 si possible. Et normalement, si vous passez pas les niveaux, vous allez pouvoir faire 20 puis 30 gold à chaque round jusqu'à arriver au Krogs où vous pouvez être entre 40 et voire 60 gold. Bien entendu, on veut faire des paliers de gold, mais ça veut pas dire qu'on doit vendre tout notre board ou qu'on doit absolument garder aucune paire. Toutes les paires importantes, toutes les unités importantes, on va essayer de les garder sur notre bench. Ensuite, c'est assez classique, on va passer niveau 6 en 3-2, niveau 7 en 4-1. Et là, par contre, ça va dépendre de notre économie. Si on peut push et il nous reste à peu près 20 gold à roll, on peut passer niveau 8 en 4-2. Si c'est un peu plus compliqué, on n'a pas tant de gold que ça, on a à peu près 50 gold en 4-2, à ce moment-là, on va peut-être attendre plutôt le 4-5 pour pouvoir push niveau 8 en 4-5. Une fois que vous êtes passé niveau 8, le but, ça va être de roll down, utiliser tous vos gold, et à partir de ce moment-là de la game, il faut essayer de plus perdre de rounds, il faut être le plus fort possible à chaque moment. On va le voir ensuite, mais les openers qu'on va jouer vont souvent être autour de Jade, ou voire de Mirage, et à ce moment-là, on va soit se stabiliser autour de Shiyu, soit on va se stabiliser autour de Daeja, donc Jade ou Mirage. Ça, c'est dans le scénario où on n'a pas trouvé de Aurillon Sol, c'est totalement plausible, et dans ce genre de cas-là, si on n'arrive vraiment pas à trouver Aurillon Sol, on va essayer de gratter un top 4 avec ces compos là, voire un top 1 parce qu'actuellement Shiyu est très fort. Maintenant, si vous trouvez un Aurillon Sol, vous allez pouvoir rapidement transitionner dessus sur la compo que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, comme toutes les compos axées late game de ce type là, le secret de la compo va pas être dans la compo finale, mais le secret va être dans la façon d'y arriver. Pour ça, je vais vous donner pas mal de clés. Le meilleur opener, ce sera déjà Jade. Là, je vous affiche un bord de Jade. En fait, ce qui va être important, c'est quelle unité va carry les items de Aurillon Sol en attendant de le trouver. Donc là, je vais vous afficher quelque chose d'assez important, c'est l'ordre de priorité des carries. Alors, Anivia 1, Anivia 2... Tant que vous avez Anivia 1, si vous avez une H2, vous n'avez pas forcément envie de directement rentrer à l'Anivia, mais ça peut se faire si vous avez par exemple une Lulu à côté qui va lui donner Evoker. Voilà, ça c'est l'opener le plus classique pour jouer Assol, c'est de jouer autour de ces unités-là. Maintenant, vous pouvez jouer avec d'autres AP carry. Par exemple, je pense que Jinx est pas mal pour porter ses items si vous êtes sur l'opener canonnier. Par contre, le bait, ce sera peut-être de jouer Mage. Je pense que c'est correct de jouer Mage si on vous donne par exemple beaucoup de Ryze, beaucoup de Lilia en early. Mais essayer de forcer Mage parce qu'on vous a donné une ou deux Nami ou quoi que ce soit, ce sera pas forcément terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Mage, il va souvent falloir stabiliser au niveau 6 avec Astral, et si vous faites ça, vous n'allez jamais avoir assez d'économie
pour être niveau 8 vite et avoir un sol très rapidement. En plus, quand vous jouez mage, il va souvent falloir jouer avec une Shojin, et Shojin, malheureusement, c'est pas un super item d'Aurelion Sol. En front, on va du coup jouer des gardiens, donc on va essayer de jouer Taric et Leona principalement. En fait, vous remarquerez que le Jade Opener, ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai dit qu'on voulait économiser un maximum en early, et le Jade Opener est très cost efficiente. Il coûte pas très cher et les unités sont fortes en early game. Maintenant, vous allez avoir un petit trick très important. Si le mirage c'est Pirate Grid, essayez toujours de rentrer le mirage le plus tôt possible. Même si ça vous demande de passer niveau 5 pour garder vos unités importantes et rentrer le mirage, ce sera toujours worse en fait, parce que le mirage a 90%, 95% de chance de vous donner au moins un gold par round. Donc perdre un palier de gold pour rentrer mirage, ce sera worth. En premier item carousel, on va viser à avoir une baguette. Les slams, donc les items importants que vous pouvez faire avec cette baguette en early game, ce sera le Morello, le Jewel Gauntlet, le Archangel Staff et la Spark. C'est des items qui sont très forts en early game, qui scalent assez bien et qui vous permettront de snowball la game ou alors de ne pas perdre trop d'HP si vous êtes en loot streak. Bien entendu, tous ces items, à part la Spark, iront sur le carry que vous utilisez en attendant Aurelion Sol. J'en vois d'ailleurs qui pourraient me dire ouais, mais on va faire Morello, est-ce qu'on va vraiment mettre Morello sur Daeja par exemple? Oui, Morello sur Daeja c'est très fort, il le proc sur tout le monde et 40 d'AP c'est pas négligeable. Maintenant on va parler un peu des items du coup d'Aurelion Sol, quel item on veut vraiment sur lui en late. Je vous affiche ici la tier list des items d'Aurelion Sol. En fait on va voir que en S tier je vous ai mis le Archangel, le Jewel Gauntlet, la Gunblade, le GS. Ces 4 items sont de loin les plus forts d'Aurelion Sol. Le Archangel, ça va permettre au Aurelion Sol, si vous avez assez de frontline, d'arriver en fin de fight et de one shot tout le board. La Gunblade, ça va lui permettre de se heal et ça va rajouter de la frontline théoriquement, parce que vous êtes en train de heal votre frontline aussi grâce à la Gunblade. Le Jewel Gauntlet, si vous avez déjà de la paix sur le Aurelion Sol, c'est pareil que le GS. Ces deux items là, ils vous permettront d'augmenter en pourcentage les dégâts d'Aurelion Sol. Ensuite, vous voyez que j'ai mis le Rabadon un peu plus bas, c'est pas un item super actuellement, Archangel est beaucoup plus fort. Le Morello, même si je vous ai dit de le faire en early game, c'est pas son meilleur item à Aurelion Sol, mais ça vous permettra de snowball la game, donc on veut quand même le faire. En fait, vraiment, on veut que Aurelion Sol atteigne son cast maximum une fois arrivé au bout de 18 secondes de fight. Et donc pour ça, la génération de mana est pas très importante, parce que dans tous les cas, le cast d'Aurelion Sol prend très longtemps à faire, il a pas énormément de mana de base et il a déjà Evoker, donc faire une Shojin ou un Blue Buff, c'est pas super utile sur Aurelion Sol. Enfin, vous avez le heal de la BT et de la Hoge, c'est des bons items, mais je pense que la Gunblade est bien meilleure. Ensuite, vous allez vouloir avoir des items de front, surtout sur le Sylas, parce qu'il a des gros shields, donc n'importe quel item de frontline comme la Gargoyle par exemple seront bien. Et s'il vous reste quelques items à faire, vous pouvez essayer de faire un Calice pour votre Aurelion Sol, c'est un item qui va lui permettre d'être assez fort pour plus vite, plus rapidement, one shot tout le board adverse. Enfin, pour le positionnement, on va vouloir que Aurelion Sol soit proche de Lulu. Lulu va le protéger et va lui permettre de faire son cast un peu plus rapidement, ça lui donne de l'attaque speed. On veut espacer un peu le Sylas et le Horn, comme je l'ai dit précédemment dans certains guides, pour protéger des Siphon. En fait, en late, les trucs les plus relous à affronter, ce sera les Siphon, les Assassins et les Shiryu. Pour esquiver les Siphon et les Assassins, il faut s'en espacer le maximum. Pour Shiryu c'est pareil, il va falloir être le plus loin possible pour que le Shiryu ait à marcher beaucoup pour atteindre votre Aurelion Sol. Si une fois qu'il a tué les fronts, il va directement sur votre Aurelion Sol, vous êtes sûr de perdre le fight. Maintenant, si vous avez Aurelion Sol 2, normalement aucun de ces matchups sera très compliqué tant que vous positionnez un petit peu en late. Merci à tous d'avoir regardé mon guide, je vous conseille le guide sur Siphon qui est toujours efficace dans la méta actuellement. Si vous avez des questions sur la compo à sol, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Salut à tous.